Bonjour, aujourd'hui on va travailler les lombaires, deuxième exercice. Donc là c'est l'exercice du nageur. Donc je pars au niveau des bras qui sont comme si je faisais la brasse, d'accord? Donc je me grandis et j'écarte. Je me grandis, je regarde toujours mes mains. Je ne cambre pas la tête en extension, toujours le regard de mes mains. Je commence donc par 10 séries de grand avec mes mains. Puis, je pose mes mains sur le tapis, ma tête en montant sur les mains. Et là, je vais partir sur les jambes. Jambes bien écartées, genoux écartés, pliés, puisqu'on va partir sur les pieds en brasse. Allez, on y va. Et 1, je tends. 2, vous avez vu, les cuisses sont décollées, d'accord? Sans donner d'à-coup. Mais les cuisses sont décollées pour travailler au maximum les lombaires, les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. Puis, j'en fais jusqu'à 10. Et après, les bras et les mains en même temps. Alors là, les jambes, oui, tendues et pliées ensemble. Pliées, tendues. Pliées, tendues. Pareil, j'en fais jusqu'à 10. Hein, je sors de l'eau. C'est pas de la vraie brasse. Hein. Attention, je sais que les profs de natation vont m'arracher les cheveux parce que justement, je suis pas en décalé. Là, je fais les deux ensemble. Je tends les deux, je plie les deux, je tends les deux, je plie les deux. Et grâce à ça, je renforce mes lombaires qui vont me permettre d'éviter tous les problèmes d'hernie discale, de nerfs sciatiques, de coincés, etc., etc., grâce aux lombaires. Je souffle, je pose. Donc, j'ai fait une série que les mains, une série que les pieds et une série les mains et les pieds ensemble. Et je refais une grande série avec les pieds flex cette fois-ci, Marine, s'il te plaît. Voilà, pieds flex et on y va. Donc, que les bras, après que les pieds, jusqu'à 10 à chaque fois. Et après, les pieds et les bras en même temps. Ensemble, je tends, je décolle bien, mes cuisses décollent bien du sol. Et à chaque fois, je travaille les lombaires, toujours encore, petite série de 10 répétitions, une série que les bras, une série que les mains, et les deux en même temps. Donc, 3 petites séries et 2 grandes, une les pieds flex, une les pointes de pieds tendues. Merci.